Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait une instrumentale zouk moderne, voilà, de très bonne qualité, je peux dire vraiment. Vous allez découvrir par vous-même. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. On commence déjà. Voilà que j'ai pris un BPM qui est vraiment trop rapide, qui n'est pas vraiment habituel à utiliser. J'ai utilisé la 175 BPM. Voilà. Sans plus tarder, on commence. Là, directement, j'ai pris. Ça, c'est un tome. Si on s'écoutait d'abord les tout ensemble, ça donne ceci. Voilà, après j'ai ajouté une percussion qui donne ceci. Ça c'est le ton. Et après ça c'est la percussion. Voilà. Après, j'ai ajouté un tome. Ça, c'est un tambour. En fait, c'est une percussion aussi, désolé. Voilà, c'est ça. Après, j'ai rajouté... Tom lead, ça donne ceci. Voilà. Suivant, j'ai utilisé cross stick, c'est un stick vraiment, ça donne ceci. Ben voilà, après j'ai rajouté, ça c'est une percussion, et ça c'est un clap. Alors les tout, donc c'est le, au fait les tout jouent presque la même chose, c'est main ici, c'est ici que j'ai modifié un peu. Et là c'est la même chose. Voilà, c'est ce que je fais là. Après, si on voyait, j'ai mis un autre tome là. Ouais, c'est, j'ai mis un autre tome qui donne ceci. Voilà. Après, j'ai rajouté un autre tome qui donne ceci. Voilà. Par après, j'ai ajouté ça, c'est cowbell qui donne ceci. Thank you.
Voilà, vous avez par après, et en fait, là, j'ai ajouté des shakers qui vient amener du côté gros, vraiment. Ça donne ceci. Voilà, c'est ce que ça donne. Voilà. Partant du deuxième pattern, là, on en a fini avec le premier. Sur le deuxième pattern, là, j'ai utilisé la soupacate. Voilà que j'ai utilisé soupacate. Vous cliquez là. Si vous l'avez, cliquez là, piano. Et là, j'ai utilisé Studio Rod qui donne ceci. Voilà, c'est ce que ça a donné. Voilà, là vous avez vu, on continue, un pattern suivant. Après, sur ce pattern là, vous voyez Purity, vous cliquez là, vous voyez synthé, lead synthé. Là, j'ai utilisé Winter Lead. Ça donne ceci. Au fait, s'il y en a, c'est là qui veulent des conseils. Vraiment, je peux conseiller. Pour ce qui concerne la musique, si tu veux avancer et si tu veux aller de l'avant, vraiment, si tu es débutant en musique, n'hésitez pas à mettre toutes tes inspirations dans FL Studio, même si tu faisais des choses qui ne te plaisent pas. N'hésitez pas à continuer. Et on dit toujours que l'habitude crée l'organe. Voilà, quand tu seras en train de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, tu abîmes, tu fais des choses qui ne donnent pas bien aux oreilles. Et au fur et à mesure, ça va venir et tu seras très habitué. Voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil. Voilà, on continue sur ces patterns-là. J'ai utilisé Amless. Vous voyez là, c'est un plugin de FL Studio. Vous cliquez là, juste, cliquez là, vous cherchez Amless. Amless, c'est ça. Et puis, preset, là j'ai utilisé, vous voyez là, Wave Guide FG, c'est ce que j'ai utilisé. Ça donne ceci. Voilà, c'est une simple mélodie. Après, là. Voilà, sur ce pattern là, j'ai utilisé Purity encore. Vous voyez la JM normale, j'ai utilisé Echo Drops. Ça donne ceci. Que c'est une mélodie qui donne très bien, vraiment. Voilà. Après, sur ces mélodies, ce que j'ai mixé pour ce qui concerne les mix là, j'ai utilisé. Attends, je les cherche. Voilà. Ok, là, je les mets dans le mixeur pour couper les fréquences graves. Apparemment, je ne l'avais pas encore mixé. Ok, là, moi, j'ai déjà sauvegardé mes presets. Je coupe les basses fréquences. Voilà, c'est tout. Et je diminue un peu les volumes. C'est tout. Voilà. Par la suite, là, je continue. Là, j'ai utilisé Purity. Vous voyez la Purity. Là, j'aime normal. J'ai utilisé OnePad qui donne ceci.
Voilà, c'est ce que j'ai utilisé là. Après, j'ai utilisé. Cliquez là. J'ai utilisé Supacat encore. Cliquez là, piano. Là, j'ai utilisé Rock Piano, qui est un très bon piano, vraiment. Ça donne ceci. Voilà, c'est ce que j'ai utilisé là. Après, j'ai utilisé la guitare basse, c'est des hypersoniques. Vous cherchez la synthé basse qui est là. Puis vous descendez, vous cherchez sa bass qui est là aussi. C'est ce que j'ai utilisé. Qui donne ceci. Voilà, c'est ce que j'ai fait là, trop basique, mais très bien l'affaire. Ça fait très bien l'affaire dans ces projets. Voilà, et là, j'ai fait les kicks alors. Et voilà, j'ai mis des kicks ensemble. Ne vous inquiétez pas, je les ai mis avec objectif. Le premier là, ça donne ceci. Et quand je l'ai mis, je ne me suis pas senti vraiment satisfait. Alors j'ai ajouté ceci. Et alors, les dés en métal, les dés, au fait, c'était juste pour compresser un peu les kicks parce que je ne trouvais pas que ce n'était pas satisfaisant. Alors, pour les tout dans ceci. Voilà, vous voyez que là, j'ai compressé ça. Après, ceci, j'ai juste copié ceci ici. Et là, j'ai fait une guitare. Vous cliquez là. Purity, preset, guitare là, plate, et là j'ai utilisé Fantasy Style qui donne ceci. Voilà. C'est vraiment agréable la musique. Hein. Après, là, j'ai utilisé Flex. Vous voyez là, j'ai utilisé Dystopia Lead qui donne ceci. C'est juste ces notes. Après, là, j'ai utilisé Flex encore, et voyez là que j'ai utilisé capacitation, voilà, qui donne ceci. Voilà, ça, j'ai pas vraiment, vous ne l'attendrez pas dans la prod. Et en fait, le dernier pattern, et là, j'ai utilisé. Encore flex. Et là, j'ai pris Gentle Force qui donne ceci. Ça, j'ai mis à la fin. Voilà. En fait, ça sera tout pour les patterns, chers amis. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez impressionné ce que j'ai fait là, n'hésitez pas à m'encourager, à me laisser un beau like. En commentaire pour me donner vos avis, ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez pensé. Et si vous voulez quelque chose sur la chaîne, si vous voulez qu'on fasse quelque chose sur la chaîne que vous ne savez pas peut-être, priez me l'écrire en commentaire et là, on va le faire pour vous. Voilà, parce que nous faisons des vidéos toujours, c'est juste pour vous, la communauté qui nous soutenait. Voilà. Pour ce qui concerne les noms, on m'appelle Jason, je suis producteur indépendant vraiment. Et là, je vais vous laisser le temps d'écouter la prod en général. Laissez-moi vous dire à la prochaine vidéo. Ciao. Mais avant, j'aimerais vous faire écouter le rythmique. Ça donne ceci.
vraiment bon. Voilà, je vous laisse alors.